Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Nouveau weekly vlog. Nous sommes lundi le 21 mars. Il est présentement près de 8 heures. Je me suis levée à 6h40 du matin pour faire une petite routine, tout ça. C'était difficile. Mettons que j'ai dormi juste 5 heures quick cette nuit. Mais bon, il y avait un beau coucher de soleil, c'était le fun. La journée commence. Quand même une bonne journée devant nous aujourd'hui. J'ai dit coucher de soleil? Oui. Ah, je voulais dire le lever du soleil. Aujourd'hui, travaille pas mal. On a aussi la vidéo à mettre en ligne demain à terminer. Hier, on avait des petits pépins avec Final Cut. Fait que là, on va essayer de régler ça aujourd'hui pour qu'on puisse terminer ça puis mettre ça en ligne pour demain matin. Puis ce soir, je vais prendre un peu de temps pour filmer des choses pour ma vidéo qui sera en ligne mardi prochain. Essayer de prendre un petit peu d'avance. Ça s'annonce une journée assez chargée. Dans le fond, le temps que je suis supposée prendre pour l'université ce soir, ben, c'est assez tranquille en ce moment, que je vais le prendre pour 4e couverture. So that's the plan. Et hier soir, j'ai terminé 5 Feet Apart, un livre que je lisais dans le cadre du mois de la romance. C'était quelque chose. En fait, j'avais beaucoup d'appréhension parce que j'étais comme, oh non, tu sais, je vois qu'il y a des gens malades dans un livre, ils meurent. J'étais comme, oh non. Finalement, c'est pas exactement comme ça que ça finit. Fait que j'ai été quand même surprise, c'était bien. C'était une bonne lecture, c'était touchant. Ok, je fasse une pige pour un nouveau livre ce soir. Donc, je m'en vais commencer ma journée. C'est parti. Déjà passé 22 heures. Ça a été une soirée qui a passé vraiment vite. J'ai travaillé sur le montage du weekly vlog. Puis on a soupé. Puis j'ai appelé ma mère. Fait que bref, ça va passer vite. Là, c'est l'heure en fait que je fasse la pige pour mon prochain ma prochaine lecture. Donc, combien j'ai de livres dans ma pile? Donc on va demander à Siri. À Google, un chiffre entre 1 et 10. Ok Google, dis-moi un chiffre entre 1 et 10. 1. Le livre que je vais lire maintenant. Oh! Oh oh! C'est Witch, le médaillon magique. Donc, un livre que je lis dans le cadre du Romantasy. Ça va se lire super rapidement. C'est parti! Je pense que j'en ai plusieurs des Witch. Comme j'en vois ici, là. 5. Fait que bref, si je me trompe pas, il y en a une qui fait du patin là-dedans. Ou en tout cas, peut-être que je me trompe aussi. On va voir. Fait que voici la lecture que je vais commencer maintenant. Mardi, 22 mars. Il est rendu 17h. Oui, oui. J'ai eu une matinée d'enfer, une migraine d'enfer, et j'ai oublié de vous jaser ce matin. Shit happens, fait que là il est 17h, il fait soleil, il faisait comme nuageux ce matin, puis là tout d'un coup il fait beau. Fait que j'ai terminé ma journée de travail, puis là je suis en train de faire du b-roll pour la vidéo de mardi prochain. Nous avons mis ce matin en ligne la première vidéo, et à date, on est bien content du retour, on a comme 150 vues en comme 6 heures. C'est vraiment cool. On est bien contents. Ils mettent des bons commentaires au niveau du montage. Oui! Fait que ça, c'est le fun. On met la barre haute pour les prochains. Hein? Yes. D'ailleurs, en fait, le premier montage, c'est plus ça le but. Maintenant, c'est une bonne partie pour m'aider. Ouais. Le but, c'est que moi, je me facilite et qu'ensuite, je prenne cette partie au complet, même après, c'est tout. Ouais. Mais somme toute, ça me dégage une certaine manière. Mais pour l'instant, non. Parce que tu sais, j'en fais encore, tu sais, je fais autant, même plus que ce que je faisais avant parce qu'on se donne dans les montages. Mais éventuellement, ça va être mieux. Ouais, on est bien contents, puis on espère que ça vous plaît aussi. Mais jusqu'à présent, ça a l'air positif. Fait qu'on continue cette belle lignée-là. Peux-tu nous dire pourquoi? Longtemps. Un bon 15 heures? Ouais, 15 heures pour nous. Mais c'est parce qu'on a bossé. Ouais, c'est ça.
puis on a gossé avec le logiciel pour le son à la fin. On a perdu, moi, je pense, une bonne heure, si c'est pas deux, à cause de ça. On a perdu du temps aussi avec l'upload, là. On avait comme une façon de faire, puis qu'on travaillait deux dessus. Tu fais en sorte qu'il était super long à synchroniser. C'est une journée à tout figurer, tout changer, tout s'optimiser. Puis, tu sais, notre tournage, on l'a fait quand même sur du long temps. T'sais, bref, je pense que ça va être mieux pour la suite des choses, là. Déjà là, pour la prochaine vidéo, que là, en fait, je viens de faire le B-roll, il reste presque pas grand chose à faire. Presque rien à filmer, fait que ça devrait être moins compliqué. Puis ça laisse plus de temps à faire du montage aussi. Là. Une bonne partie de préparation, Ouais, c'est ça. Ah, c'est, ben oui, c'est ça. C'est qu'on s'assoit puis on brainstorm. Ça, c'est souvent la première étape pour les vidéos. Tu sais, ça part souvent de là. Là, vu qu'on script un peu plus les vidéos, ça, on a déjà plus de temps en partant. Alors, ça, tourner, monter. T'sais, là au début c'est le dérush, l'édite, il y a bien des étapes, tu n'es que la musique, le son. Fait que, en tout cas, on a travaillé fort, on est bien contents. Puis merci de nous encourager. Fait que voilà, fait que là, je vais aller continuer un petit peu, je vais aller filmer des TikTok, c'est la dernière chose qui reste sur ma liste. J'ai un cours dans une heure. J'ai aussi mes notes d'université tantôt, aussi des bonnes nouvelles. Puis à présent ça se passe super bien. Fait que ça aussi c'est un stress de moi. C'est sûr et certain. Fait qu'on retourne au travail, mesdames et messieurs. Pour souper, on mange le sandwich poulet général Tissot. Ça a l'air très très bon. Et qu'Emile prépare ça pendant que moi j'écoute mon cours et que je lui donne les instructions. Super pratique. Mon iPad, on a fait une espèce de petit journal de recettes, fait qu'on peut comme les annoter par la suite et tout. Fait que c'est super le fun. Il est rendu passé 9h, les cours sont terminés et là, j'ai reçu mes services presse du mois de Gourama. Donc, je suis passée. J'ai reçu La Dame Blanche, qui est un roman de suspense de chez Hugo Poche, écrit par Denis Zotte. Et c'est vraiment beau, j'ai reçu L'Or Olympus de Rachel Smith, c'est volume 1, c'est Hugo BD, pour vrai c'est super beau, je suis vraiment contente, mais c'est la première fois que je vois une BD aussi grosse, ça a l'air vraiment bon, puis Théo aussi, je trouve que ça a l'air bon, qu'il mange mon livre, on va le chicaner. Ah c'est ça, fait que là ben on va aller s'installer, on va aller écouter District 31, j'ai continué un petit peu le montage du blog, ça avance bien, hey c'est chaud, si quelqu'un peut me l'acheter, je le vends 3$. J'achète. Ah, il n'y a pas d'allure. Bon, on va écouter l'émission. Mercredi 23 mars. Présentement passé midi, là on est dans l'auto, on s'en va à la boîte à lunettes aller récupérer mes lunettes de soleil. La semaine passée, j'allais chercher mes lunettes de vue, il n'y avait pas mes lunettes de soleil, là, c'est un peu bizarre. Fait que hier, ils m'ont appelé pour dire qu'ils avaient. Fait que là on s'en va chercher ça pendant la pause du dîner. C'est une journée assez chargée, j'ai quand même beaucoup de choses, j'ai beaucoup de meetings et j'ai un cours ce soir. Et j'ai du tournage à faire pour ma vidéo qui sera en ligne mardi. Fait que c'est ça, ça roule ma poule. On train de faire des petites recherches là, pour un chien. Fait que là, on en appelle à 13h pour comme, discuter avec une dame d'un élevage. Mettons que nos choix de chiens, ils changent selon ce que les gens nous disent, les commentaires, les avis. Parce que tu sais, des fois, en discutant avec les gens, ils sont comme, t'es sûr que c'est ça que tu veux selon ton mode de vie. Mais là, je pense qu'on a trouvé quelque chose d'assez intéressant. Fait que on va voir si ça se concrétise puis si on va de l'avant. On vous en parlera à ce moment-là pour pas vous spoiler puis pas ce jinx aussi. On a-tu hâte? Oui. Mais on veut comme pas pour tout de suite parce que on s'en va au Portugal, tout ça, fait qu'on veut que ça soit pour comme après juin. Il m'a pas aimé, j'avais pas vu mes cheveux. Hein. Ouais. On veut pas trop vite parce qu'on veut avoir le temps pour bien en prendre soin, être avec lui et qu'il s'identifie à nous à son plus jeune âge. Mais on veut pas trop tard parce qu'on veut pas que les chats grandissent trop non plus. Ouais. Puis on veut qu'ils grandissent les trois ensemble pour qu'ils s'unissent puis que pas que t'aies juste le feeling qu'il y a soit rajouté. C'est pour ça qu'on essaie de faire ça assez vite. Puis au début, on voulait avoir un Shiba Inu,
Mais premièrement, les délais étaient de 2 ans à 2 ans et demi. C'est un peu long. Puis, en discutant avec des gens, c'est peut-être pas la meilleure chose quand que t'es pas habitué d'avoir des chiens. C'est un peu rough comme premier chien parce que ça écoute pas nécessairement, c'est dur à dresser. Fait qu'on change nos plans, mais je vais vous updater là-dessus. Émile le plombier nous installe un bidet. Il est rendu presque 22h. On s'est commandé du Dairy Queen. J'avais envie de crème glacée. J'ai continué le montage du weekly vlog. Après mon cours, on a aussi installé le fameux bidet. Quand même nice. C'est quand même vraiment pratique. J'ai hâte de voir comment on va vraiment pouvoir l'appliquer au quotidien. Je suis sûre que ça va être aidant pour l'économie de ce bidet toilette. Fait que, hein, Emile s'est improvisé plombier et moi aussi, j'ai réussi. Et entre-temps, j'ai aussi reçu une commande chez Québec Loisirs. Donc, je suis abonnée Québec Loisirs depuis quand même longtemps et je dois faire des achats trimestriellement. Et là, j'en ai profité pour acheter la chronique des Bridgerton. Donc, 9 années plus tard, de Julia Quinn de chez Flammarion Québec. J'avais toute la saga, mais je n'avais pas lui. Et je me suis permis de me procurer les 3 livres restants de Anna Caritas. Ouais, fait que lui, c'est le tome 3, Outre-tombe. Le tome 4, c'est Le Carnage. Et il y a comme un hors-série qui est Hadès fidèle. Donc genre la saga au complet. Je suis quand même très contente parce que j'adore cette saga-là. On se rappelle que j'ai trippé sur le 1 et le 2 quand j'ai débuté chez Québec Loisirs. Je me suis dit que j'allais finir la saga. Fait que voilà, chose faite. Je vais aller maintenant manger ma crème glacée et écouter District 31. Vraiment nice planning de fin de soirée. Ah, et c'est vrai, je suis rendue à faire la sélection de mon prochain livre parce que j'ai terminé Witch tome 1 hier. Ça s'est lu super rapidement. Puis ils sont contents que c'est vraiment un livre pour enfants. Là. Fait que c'est quand même assez simple. Donc là, on va demander à notre cher roulement de dés humain de choisir un chiffre. Roulement de dés humain, je ne suis résumé qu'à ça. Bonjour! Qu'est-ce que c'est? Un chiffre entre 1 et 9. J'ai toujours envie de dire la même chose parce que mon chiffre, je pense que c'est 7. Et je veux dire 4. Alors 4. Allons voir. Je vais donc continuer la saga Grisha. Je vais lire donc le tome 2, Youpidou Laidou. J'avais bien hâte. J'avais lu le tome 1 en début d'année, en février. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis c'est comme une relecture. Fait que là, de lire le tome 2, ça va être vraiment quelque chose de nouveau. Genre, en plus, on est en train d'écouter la série sur Netflix. Fait que ça va être parfait. Je commence ça ce soir. Présentement 17h. La journée a passé vite. J'avais beaucoup de choses à faire. Là, c'est l'heure de comme retourner en mode vidéo, de faire une couverture. Emile doit réviser parce qu'il y a une certification à passer ce soir. Pendant qu'il va faire ça, moi, je vais filmer des choses pour mes vidéos. Je vais aussi aller à la SAQ, aller chercher un petit champagne au cas où que monsieur aurait sa certif. Je mets sur trop de pression. No. Hello. Puis, on est super contents aussi parce qu'on vous parlait plus tôt de la sélection d'un chien. On faisait des petites recherches, puis là, on a peut-être trouvé une race qui nous convenait. Et puis, on vient de réserver un petit chien qui sera dans la prochaine portée. Si tout se passe bien, techniquement, vers le mois de juin, fin juin, début juillet. Donc, on a bien hâte. Il y avait des chiens disponibles en ce moment, mais vu qu'on part au Portugal, on voulait pas parce que sinon, il va falloir les faire garder pendant 19 jours. C'est un peu long quand le chien est avec nous depuis seulement un mois et demi. Fait qu'on est obligé d'attendre. C'est un mal pour rien. Donc, c'est des cavapous. C'est un mélange de cavalier King Charles avec un caniche. Ça fait un chien de maximum 20-25 livres.
Il y en a des petits beige, il y en a des petits blancs pâles, il y en a des petits trois couleurs noires, blanc et feu. Puis on a un petit faible pour ceux-là. Mais ils sont tous vraiment mignons. C'est des chiens qui sont autant énergiques que calmes. Fait qu'on a bien hâte. On est bien excitant tout ça. Et on vient de faire officiellement la réservation. Fait qu'on va avoir une raison de plus de popper le champagne ce soir si Emile réussit sa certif. Fait que là, je vais m'installer pour continuer mes tâches quotidiennes avant de faire cette traîne de couverture. Ce midi, j'ai eu un meeting avec ma coach de vie. Je sais pas comment ça s'appelle, mais une coach mieux-être au niveau professionnel et personnel. Et là, elle voulait que je m'achète le livre You Are a Badass de Jen Sincero. Fait que là, je viens de faire l'achat, je viens de le mettre sur mon iPad. Et dans le fond, là, je dois, d'ici mes prochaines rencontres, dans 3 semaines, lire la part 1 puis de prendre les questions qui me les posaient puis prendre le temps de l'analyser. Fait que c'est mon devoir. Théo qui s'en vient. Bonjour. Donc, c'était une belle journée, même s'il fait gris. Puis, on continue ça. Un beau jeudi. Ah, Théo. Oh, Théo. Théo, bobo. Il est rendu presque 20h. J'ai essayé de faire un tournage, mais tout seul, j'étais pas capable. Fait que je vais devoir le refaire demain. Mais je vais quand même essayer de filmer un B-roll tantôt. Je vais aller à la SAQ pour aller chercher un petit champagne au cas où Emile réussirait sa certif. Puis en même temps, on a des petits achats à faire. Fait que je m'en vais là. Dès maintenant, je vais juste Théo sortir en dessous du comptoir. Timoli, fait que direction à la SAQ. Heureusement, c'est à 2 coins de rue. De retour. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Premièrement, nous avons le vin ici, qui est un Dialogo Douro du Portugal. Donc, c'est un vin rouge de 13,5%. On l'aime vraiment beaucoup. Il coûte, je pense, 16,25. Puis, il rapporte qualité-prix, il est insane. Souvent, même, il se retrouve dans l'espace cellier. Ce qu'Emile m'expliquait, c'est que le Portugal, ça coûte moins cher à produire que la France au niveau de la qualité du vin. Donc, un vin comme ça pourrait valoir 19, 20 et plus en France. De même qualité, fait que pour vrai, il est super beau. On l'aime bien. Ensuite, j'ai acheté de la vodka. On aime bien ça se faire des gin tonic, des vodka soda, il y en a une recette de vodka. Puis celle-là, la Moscoyava, c'est une vodka qui ne goûte vraiment pas tant que ça fort la vodka, mais quand même à prix raisonnable. Donc je pense que c'est 20-23 pour une 750 ml, donc ça vaut la peine. Ensuite, j'ai acheté crème à glace au chocolat. Tu sais, pour mettre dans le café le matin, il y avait 500 points bonus à l'achat. Je pense que demain on essaye ça. Et la pièce de résistance pour ce soir, si Emile réussit sa certif, je nous ai acheté un vin mousseux rosé. Je savais pas trop quoi prendre. Et là, j'ai vu le Crémant de Jura, Bénédicte et Stéphane Tissot. Ça vient de France. 12,5%. C'est un vin bio. Et le pourcentage de sucre était très bas. Fait que c'est ça qui a en fait choisir mon choix final. On allait vers un champagne. Puis là, j'ai fait vu qu'on veut du rosé, c'est bien. Donc là, j'attends que Emile termine ses trucs. Je vais aller filmer du B-roll. Et en espérant que tout se passe bien, qu'on puisse ouvrir ce beau mousseux. Elle vient me consoler parce que j'ai pas pu passer mon examen à cause du système de merde. Mais moi, j'immortalise le fait qu'Alice a dû s'y coller sur toi. Puis que Théo est jaloux. Il l'a lui aussi sans mail. Il fait assez souvent, c'est assez tranquille. Vendredi 25 mars, très pluvieux et gris. Il est 9h. Ce
matin, encore une fois, là, c'était difficile de me lever. Je sais vraiment pas ce qui se passe en ce moment. Il va vraiment falloir que je travaille là-dessus les prochains jours, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec mon sommeil. Je ne suis pas levable le matin. Je me réveille là, comme si je m'étais fait ramasser par un camion. C'est l'enfer. Mais bon, aujourd'hui, ben, t'sais, comme vous avez entendu hier, Emile n'a pas réussi à passer sa certification. C'est comme la deuxième fois que ça fait ça en comme un an. Fait que ça gosse. Il réessaye ce soir. Là, ça change un peu nos plans. On va quand même s'assurer que je filme ce que j'ai essayé de filmer hier, mais que j'ai pas tout pu filmer parce que je me rendais compte que je pouvais pas le faire tout seul avec ma caméra en ce moment. Ce qui m'a amené à un autre point que je vais vous dire par la suite. Ce soir, je vais filmer ça. Il va faire sa certif. Pendant qu'il va faire sa certif, moi, je vais continuer le montage du weekly vlog. Quand il va finir sa certif, il va continuer là-dessus. Je t'attends qu'il ait terminé. On peut se mettre en ligne demain. C'est ça l'affaire. Puis, ben, demain, on pourra se concentrer sur la vidéo en ligne mardi. Puis, peut-être tourner des choses pour la prochaine vidéo du mardi suivant, ou au moins créer le concept. Là. Et là, c'est ça. Ça me faisait penser que ma caméra, c'est une T6, Canon T6. C'est pas pratique parce que j'ai pas l'espèce d'écran qui peut m'aider à faire l'autofocus, qui peut, genre, me permettre de voir ce qui se passe. En ce moment, j'ai un problème avec ma carte mémoire, puis ma caméra a été tournée tout seul. Genre, ça glisse. Fait que quand je suis tout seul, là, je perds du temps. Fait que là, je vais peut-être regarder pour m'acheter une nouvelle caméra puis vendre celle que j'ai là. Ça fonctionne super bien, c'est juste que pour moi, ça ne fonctionne pas. On va faire des petites recherches à ce propos-là. Là, ce matin, j'ai commencé la lecture de « Tu vas tout déchirer » de Jen Sincero. Dans le fond, c'était une recommandation de ma coach bien-être. Faut que je lise la partie 1, que je prenne le temps de répondre aux questions. Puis, on va voir ça ensemble dans 3 semaines dans notre prochain rendez-vous. Puis, on va comme lire le livre comme ça. Et ça, je trouve ça super le fun. C'est comme de l'écriture active, tu sais. Puis, je suis pas habituée d'annoter mes livres. J'aime pas ça écrire dans des livres, mais là, je l'ai sur mon iPad, je peux souligner. Bref, c'est vraiment le fun que j'ai lu le premier chapitre et j'ai répondu aux petites questions. Je vais aller faire mon soin du visage, mais ça va être pour travailler. Ça va être une journée correcte, là, pas trop demandante. On se lance au travail et au montage du weekly vlog. Là, je vais me préparer un peu, je vais me maquiller, faire les cheveux. Puis de 18 à 19h, je vais essayer de filmer mon avis de lecture pour avoir tout mon contenu pour commencer à faire le dérush tantôt. Puis il faut que je pense à ma vidéo qu'on va tourner demain pour le 5 avril. Parce que techniquement, on filmerait ça samedi, pas demain l'autre. Mais on est passé dans un chalet, fait que faut que je trouve des idées pour ça. Je m'installe, je me maquille. Parce que là, c'est ça, hein? J'ai encore du restant de mon maquillage de la veille, puis ça me fait un peu chier parce qu'hier je m'étais préparée pour ça pour finalement pas avoir le temps, mais bon, on recommence. Let's go! Donc, il est rendu 19h, j'ai terminé de faire mon tournage de vidéo. Je l'ai fait, là je vais pas aller faire le dérush, puis me concentrer sur qu'est-ce qu'on va tourner demain comme vidéo pour le mardi 5 avril. Ok, voilà, ça n'a pas été trop long. Je fais ça comme un setup où est-ce que j'ai un ring light comme ça. J'ai fait avec mon téléphone parce que ma caméra, c'est l'enfer. Et j'ai mis ma Apple Watch autour. Fait que je peux comme me voir puis faire mon focus. Ça a été super pratique. Quelle bonne idée. J'ai vu ce axe sur TikTok. Puis j'adore. Là, ça va souper. Emile a sa certif ce soir encore. En espérant que ça se passe pour vrai cette fois-ci. Parce que sinon, ça va mal aller. Parce que on a planifié un peu notre semaine en considération qu'il l'a ce soir. Puis qu'il l'a. Zéro pression. Là, je m'en vais dérocher tout ça. J'ai vraiment avancé le weekly vlog. Fait que ce soir, il va juste rester à lui faire des zoom, zoom in, zoom out. Voir si le son est bon, rajouter des mots, couper s'il y a des trucs qu'ils trouvent pas pertinents, puis voilà. Il est rendu 10h! Regardez qui est sorti de son examen. Avec un champagne à la main. Ça veut dire quoi, ça? Je l'ai eu! Je suis content. C'était pas facile, mais je l'ai eu. Je suis content. Ça a pris combien de temps? Une heure et demie? Ça a pris le temps qu'il fallait que tu prennes, que tu le tisses? Ben, j'ai sorti, il me restait 20 minutes, fait que je l'ai fait en 70 minutes à peu près, en 1h10. 82 questions. Mais c'était le fun, comme examen, quand même. C'était dur. Bon, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le champagne. Le champagne. En fait, c'est pas du champagne parce que c'est du mousson. Ouais. Mais on goûte à ça. Ça tourne.
samedi 26 mars, présentement 13h ce matin. On travaille sur la vidéo. En fait, on l'a mis en ligne ce matin, le weekly vlog. Emile a fini le montage quand même assez serré, là, de 9h30. Là, j'ai mis en ligne à temps. Là, je suis en train d'essayer de faire les sous-titres, là, mais c'est long. Là. J'étais à 10 minutes de fait. Il en reste 30, il en reste 20. C'est super long à faire. Cet après-midi, on va aussi tourner une vidéo. Il faut faire le montage aussi de la vidéo qui est en ligne mardi. Fait qu'on passe l'après-midi là-dessus. Puis un peu de temps aussi pour les études. Fait qu'on s'est fait un espèce de petit planning serré. Quoi, quand on s'est fait venir un petit déj ce matin, parce qu'on n'avait pas le temps pour faire de la bouffe, on avait vraiment faim. Là, on travaille là-dessus ce matin. Et cet après-midi, parce qu'on a quand même un gros week-end, puis beaucoup de choses à faire, autant pour l'université d'Émile que moi pour faire ma couverture. Et vu qu'on sort dans un chalet la fin de semaine prochaine, on n'a comme pas le choix de mettre les choses en place. Une grosse semaine qu'on a eue, mine de rien, et c'est pas fini. Fait qu'on est quand même vraiment fatigué, fait que c'est rough de comme se concentrer puis d'avancer. Mais là, je planche sur mes sous-titres. Oh! C'est long! Qu'est-ce que tu fais, Emile? C'est quoi la vidéo? La vidéo contient des flashbacks. Est-ce qu'on voit Nate? Nathan? Dans One Tree Hill? Ou that? La grenade déformée? Oui. Moi j'essaie de jouer avec la transition. Parce que t'es difficile et puis tu l'aimes pas parfaitement. Je suis difficile. Check-les, lui. Petit déjeuner, tout ce qui reste. Hey, le chat. Fait que hier, j'avais même pas touché à ma gaufre aux bananes, chocolat et beurre de peanut. Fait que c'est ce que j'ai mangé. Mon restant de patates, un morceau de bacon restant. Emile, une crêpe. Des œufs. Des œufs, des toasts et des patates. Patates. Fait que, miam miam. Il est 12h30. Je suis en train de compléter le montage pour la vidéo qui va être en ligne mardi. Je suis en train de faire un test d'export pour voir ça a l'air de quoi. Des fois, c'est toujours bien de sortir de l'application. Fait que là, c'est ce que je suis en train de faire. Puis là, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée du weekly vlog. On est dimanche. Je suis pas encore sautée sur ce schedule-là. J'ai une rencontre dans 30 minutes pour l'université, comme à chaque dimanche. Je vais prendre une douche, là. Et elle est partie à la pharmacie chercher des produits, des trucs comme ça. Cet après-midi, j'ai un peu de trucs à faire que je vais avancer. Je viens de travailler sur ces trucs d'école. Puis on quitte vers comme 15h30. Pour aller chez les parents d'Emile parce que c'est la fête à son demi-frère. Donc, ils font un souper pour sa fête. Et moi, je travaille sur Starac en même temps, là, fait que ça va être un beau 2 en 1. Ils sont au courant. C'est ce travail ce soir à Starac. C'est ça le plan. C'est une journée assez chargée. On va avoir une grosse fin de semaine, puis à date, ça se passe mal au niveau de l'horaire. On a besoin de le respecter. Et les holidays! Oh! Théo qui vient de jaser. Là-dessus, je vais aller dans la douche en attendant qu'Emile revienne. Je vais me préparer pour ma rencontre d'Uni. Et c'est parti. Il est rendu pratiquement aux heures. Je vais en profiter pour closer le vlog. Donc, faites le pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et aux différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Vous êtes allé voir ma dernière vidéo en ligne qui est juste ici ou ici. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se parle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!